Ah non. Et c'est ça. Bonjour mes amis, comment ça va? Maintenant, bienvenue à cette vidéo en français. Aujourd'hui, je parle français parce que je voudrais faire une vidéo en français. Moi, je déjà sais que mon français n'est pas très bon, mais je veux capturer mon processus, peut-être. Et c'est ça. Et maintenant, je suis encore un peu enrhumée, donc ma voix est un peu bizarre, mais je suis bien. Et voilà, c'est clair que je vais faire beaucoup d'erreurs, mais si vous voulez, écrivez des commentaires en bas de la vidéo, s'il vous plaît, parce que je veux une seconde améliorer parce que je veux améliorer mon français. Et maintenant je suis encore en le niveau A1 mais dans une semaine je crois que dans une semaine je vais commencer la deuxième partie du niveau A1. Donc je vais être en niveau A1 2. Et bon, et bienvenue, et on y va. Vraiment, il fait beaucoup de vent, enfin, beaucoup. Et je déteste ça. Vraiment, je déteste le vent. Horrible. Alors mes amis, mon cours va commencer maintenant, et j'ai cette chose que je ne sais pas comment ça s'appelle, et mon livre avec les mots du vocabulaire et grammaire et toutes les choses. Alors, allons-y. Bonjour. Oui. Bonjour. Je m'appelle Lara. Je suis allemande. J'habite en Allemagne. Et je parle allemand, anglais, espagnol et un petit peu français. Enchantée. J'ai une question. Qu'est-ce que le poireau, qu'est-ce que ça veut dire? Ok. sont des légumes. Ah non.
En France, les enfants disent souvent patate pour pomme de terre. J'ai une question. La pêche, is it peach? Ah, ok, merci. Alors les amis, j'aime beaucoup Jessica parce que c'est super drôle et super bonne prof. Donc j'aime là, je sais pas, je sais pas moi. Et comment dire ça? Je vais chercher la conjugaison d'avoir parce que c'est très compliqué pour moi et je ne sais pas le passé composé, mais c'est trop important. Je veux savoir le passé composé, mais actuellement, je ne sais pas. Donc, j'ai eu une leçon super. Top, super cool, avec des gens super agréables. Maintenant, je suis très heureuse d'avoir eu la leçon avec Jessica, ma prof préférée. Salut, j'ai un peu de mon gâteau. De carottes et ah, très bon, très bon. Très bon. Bon matin! Aujourd'hui, c'est dimanche. Il est 11h moins 10. Il fait soleil et je suis très contente pour ça. Et aujourd'hui, je vais faire beaucoup de choses. Déjà, j'ai étudié un peu mathématiques pour mon bac. Cet après-midi, je vais avoir une autre classe sur Lingoda et je vais être avec mes amis Amélie et Yana cet après-midi. Et c'est ça. Allons-y. Maintenant, c'est un peu plus tard et je vais faire un gâteau au fromage blanc. J'aime faire des gâteaux et cuisiner. Dans un repas de famille, il y a des aliments et il y a des personnes aussi. What's popping? Thank you.
Aujourd'hui, c'est lundi et le temps est très nuageux et il n'y a pas de soleil, pas de vent et pas de pluie. Pas de pluie aussi, donc c'est bien. Pas de problème. Et il fait frais, je crois. Donc, rien. Aujourd'hui, c'est lundi et je vais faire ma dernière leçon sur Lingoda pour cette cours. Et c'est très exciting. Maintenant, il est 8h20 et je vais faire le petit déjeuner dans une heure. Et oui, c'est super difficile pour moi de parler en français avec la caméra parce que c'est trop strange parce que je sais que je fais beaucoup d'erreurs, mais je ne sais pas comment faire le meilleur. C'est très énervant aussi. Oui. War so, du hast in unterschiedlichen Farben geschrieben, so Termin, Klausur. Der Erlös wird gespendet. Gesund. Je bois du lait, du thé et du café. Toujours, donc le matin, l'après-midi, le soir, je mange des fruits. Oh. Ok. Ah, excusez-moi, j'ai une question. Qu'est-ce que le poulet? Ah, ok. Je veux acheter des pêches, mais il n'y a pas de pêches ici maintenant. Sarah achète du fromage et Alex achète du vin. Et je vais acheter des pêches. Merci beaucoup. Au revoir. Ouh. Exciting. J'ai eu une leçon super bonne, super intéressante. Et super drôle. et bon, j'ai aussi eu la dernière leçon de cette sprint. J'ai complété le niveau 1-1-1 et je suis très contente de ça. Et oui.